Bon, euh, je crois que le temps est assez mûri pour euh, faire commencer la conférence. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Je suis Hitoshi Suzuki, le président de la MCJP. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour cette conférence sur la fermentation. Nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Hiraku Ogura, designer de la fermentation, comme il aime se présenter, et auteur de l'ouvrage Anthropologie culturelle et fermentation, paru en 2017 et devenu tout de suite best-seller au Japon. Monsieur Ogura était d'ailleurs venu nous présenter son livre ici à la MCJP en juin 2019. Cette fois encore, il est venu spécialement du Japon pour une série d'événements organisés à la MCJP autour de la fermentation. La fermentation est, comme vous le savez très bien, un élément fondamental aussi dans la culture culinaire française, comme le fait que même NATO et maintenant produit dans l'Hexagone en témoigne très éloquemment. Les aliments fermentés, en plus d'être excellents pour la santé, sont quelque chose qui, je crois, peut nous rapprocher entre personnes. Au programme de la conférence de ce soir, Hiraku Ogura ne parlera de la fermentation au Japon et plus largement en Asie et échangera avec notre invitée, Mme Marie-Claire Frédéric, spécialiste française de la fermentation et auteur du livre Ni cru ni cuit sur les différences et les points communs entre l'Europe et l'Asie. Je tiens donc à remercier chaleureusement tous les deux pour cette conférence qui s'annonce passionnante. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent moment et j'espère que vous viendrez très nombreux voir l'exposition de Hikaru Hiraku Ogura intitulée Découvrir le Japon autrement avec la fermentation, ouverte jusqu'à samedi au cinquième étage de la MCJP. Donc maintenant, je passe la parole. オグラ、ジュブレメッえー。3年ぶりに、えー、フランス・パリに来れてとても嬉しく思っております。えー、今日はですねあの僕がずっと 会いたかったあのマリクレールフレデリックさんと一緒にお話できてとても光栄です。あの最初僕が、えー、話すんですけど、マリーさんにいっぱい質問があるので、ちょっと僕の話は少しだけにしてマリーさんと、えー、西の発行の文化と東の発行の文化についていろいろお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de retrouver Paris et de me retrouver parmi vous. Ça fait trois ans que je ne suis pas venu ici et cette fois-ci, je suis très heureux. C'est un véritable honneur de pouvoir rencontrer Marie-Claire Frédéric, avec qui je vais m'entretenir à l'issue de ma présentation, que je ferai assez brève pour justement lui poser beaucoup de questions, notamment sur la fermentation et les différences entre la culture occidentale et la fermentation et la culture orientale. Merci beaucoup de m'avoir invité à venir participer à cette conférence.

これが東京の下北沢という街、ね、にある、えー、僕のお店です。こんな感じでですね、えー、日本 各地世界各地の発酵食品が500種類以上置いてあるお店で,ですねえ非常に運が悪いことにあのコロナ新型コロナの,あのロックダウンと一緒にお店が始まりましてえ大変だったんですけどなんかこうコロナ禍でみんなおいしい発酵食品食べたいって言って結構繁盛してですね今、結構人気のあるお店になっていますね。 Dans cette petite boutique, hein, je, euh, je prépare, je vends à peu près 500 types d'aliments fermentés différents du Japon, mais du monde entier euh, aussi. Hélas, depuis que j'ai ouvert, il y a eu la crise du coronavirus, euh, le confinement qui aurait pu toucher euh, mon commerce, mais au contraire, les gens ont manifesté une volonté assez forte de consommer des produits, de bons produits fermentés. Et donc, euh, au contraire, il y a eu vraiment un engouement pour euh, les types de produits que je présente. au à toi, 都会で、ええー、ちっちゃな展覧会をやっているんですけど、えー。そういう展覧会をやったり、あとは、その。研究者、エンジニアとしての、えー、仕事もしています。もの、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、の、その、その、その、その、の、その、その、その、その、の、その、の、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、の、その、その、その、その、その、その、その、そその、その、その、その、 これはですね、えー、人間とおしゃべりができるぬか漬けロボットですね。ロボットが話せるというぬか漬け。でこれはですね、あのデジタルセンサーを使って微生物の働きを分析してですね、えー、漬物が、ぬかロボット、あの漬物がこう美味しくなったらね。 <laughs> donc, il parle avec les êtres humains et donc il va analyser les micro-organismes euh, qui sont à l'œuvre dans la fermentation et vous faire des légumes macérés saumurés les plus délicieux le euh ,その, bah, nukazuke ,あの oh, qui sont des légumes euh, macérés euh, il faut vraiment maîtriser le processus de fermentation sinon ça pourrit tout simplement

なんかこう不思議な神様でもない生き物がいて、それとこう人間がコミュニケーションをするんですけど。あのー。美味しかったよ。良かった。また頑張って美味しい漬物を作るね。<laughs> で、このぬかぼっとは微生物の妖怪です。 Vous savez peut-être, mais dans la culture japonaise, il y a les yokai, ces êtres fantastiques, qui ne sont pas des dieux, qui ne sont pas des monstres, mais qui sont un petit peu entre les deux mondes et qui communiquent avec les humains. Et donc, ce robot, c'est un peu un yokai des micro-organismes. C'est un tamagotchi Oui, exactement. Tamagotchi. 例えば、まあ、日本だったり、アジアのこの文化とか、その精神性、そのスピリチュアリティと。テクノロジーを、両方見てですね。それを。お店だったり、デザインだったり、本だったりっていうふうに。こう、翻訳していく仕事をしています donc, mon pas、er。ええ、どう、もう、トライネパ、simplement、アナリズム、ミクロオーガニズム、ええ、ランアクション、メイ。ええ、で、ジュディ、ラスペクチュア、ラスペスピえチュア、ラスペテクノロジー、ええ。ええ、あ、パズル、ライセティモン、ええ、デサム、ーヴ でえっと、でここからちょっとに日本の、まあ、僕世界中の発酵文化を調査してるんですけどせっかくなので今日は日本のの、えー、発光文化のお話をしますで、えー、この写真がですねこれ何をやってる写真かほとんどの人わからないと思うんですけど、えー、麹というものを作っている職人の写真です。 酵文化と東の発酵文化、eh, は,、ね eh, 文化は eh, ほとんど全ての発酵食品のベースに麹カビという、ね eh, 特別なカビがいることです、ね。 L'une des grandes différences entre la fermentation en Occident et Orient, en Orient, c'est qu'en Orient, on a comme base euh, ce ferment, ce, euh, ce champignon de Koji Kabi, hein, l'Aspergillus Oriza, qui est à la base d'un petit peu tous les aliments fermentés. Les させる, Donc vous voyez l'artisan qui est en train de remuer le riz, hein, comme une fontaine qu'il fait jaillir, et en fait il va oxygéner le riz, faire entrer de l'oxygène pour euh, oxygéner les ferments. あの日本のこの麹カビは、えー、すごくいろんな栄養を作ってくれるんですけどとても弱い菌なので人間がちゃんと世話をしなきゃいけないぬか漬けみたいにさっきのでその世話をするっていう微生物のお世話をするっていうところからですね日本独自のこの発酵文化が出来上がっていくんですね。 Donc, ce, ce, ce koji, hein, ce koji kabi, hein, donc cette, ce ferment, euh, est assez, euh, ne supporte pas les conditions extrêmes, donc il faut s'en occuper. Et donc, euh, cette culture et ce, euh, cette production se commence d'abord par s'occuper des micro-organismes. So donc, c'est proche hein, de ces yokai, ces êtres surnaturels hein, avec lesquels はい. on communique. De えー、もろみなんですけど、えー、こんなふうにあの、えー、カビとあとその後に酵母イーストですね酵母が発酵することによってこういう,こうあの泡ができてですね、えー、この、ま、アルコールだったりこういろんな栄養ができていくんですけどあの昔の日本人はこのはボコボコ発酵するものを見てですねあの生命がよみがえっていくという感覚を持っていました。 Donc là vous voyez la production de saké et euh, donc le mou du saké hein, auquel on va ajouter une levure pour justement faire la réaction euh, chimique qui va provoquer la fermentation. Donc vous voyez les bulles hein, parce que justement la fermentation se produit et l'alcool euh, est, est dégagé et autrefois les gens au Japon voyant ces bulles euh, avaient la croyance que c'était la vie qui ressuscitait à l'intérieur de cette préparation. C'est préparation スタイルのですねクラシックな工事を作る部屋です。で、この工事を作る部屋というのは、えー、僕、アジアいろんな国に行ったんですけど、日本にしかなくてですね、この日本のカビが、えー、すごく繊細なので、えー、この工事専用の部屋を作ってこう大事に世話をしてあげるんですね。

でこの、えー、お醤油は何のシンボルかというとですね、日本のあのベジタリアンの食の象徴なんですね。で日本人はもともと肉、卵、牛乳を食べないで えー、中世の頃にこう禅宗っていう禅の仏教が入ってきて、えー、今度はあの魚も食べなくなるんですね。で、えー、全ての動物性のものを食べなくなると、えー、調味料がないとですね食事がつまんなすぎて飽きるんですよね。なので、えー、この禅の仏教とともにですね今の、えー、日本食のベースになっている Eh, 調味料、味噌、醤油、お酢がすごく発達してですね、日本の和食ができていきました。Donc, Sous l'influence du bouddhisme, on ne consommait pas ni de viande, ni de euh, ni de lait au Japon. Et ensuite, à l'époque médiévale, le bouddhisme zen va euh, avoir l'essor de la culture zen. Et là, on ne mangera plus non plus de poissons. Donc, tous les animaux, en fait, les êtres vivants étaient interdits à la consommation, euh, dans l'optique du bouddhisme, notamment zen. Et donc, euh, comme les plats étaient un peu fades, il a fallu développer des condiments pour que euh, la nourriture soit intéressante et soit goûteuse. Et donc, on a depuis cette époque, euh, et sous l'influence du zen, le, les bases de, des conditions. 日本人は本当に辛くて肉も、えー、卵も牛乳も油も、えー、油も使えなくてどうやって美味しくご飯を食べるかっていうところから、えー、この麹を使った発酵文化というのを発達させてきました、えー、この話を後でちょっとマリさんとも一緒にしたいなと思っています日本人は Ont essayé de trouver une solution parce que cuisiner sans huile, sans viande, sans œufs, etc., pour faire quelque chose de goûteux, ce n'était pas évident. Et donc, ils ont créé cette culture de la fermentation à partir de, cette, de ce ferment de Koji. je vais vous 4 Ce 4 de まあ,旅したというか,あの,見てきた,えー, donc là, je vais vous présenter euh, ce que je montre aussi hein, dans un documentaire qui est diffusé sur la chaîne télévisée NHK et que j'ai vu avec euh, Marie de quatre lieux différents et donc quatre produits euh, de la fermentation dans la gastronomie japonaise. あの皆さんが全然知らない発酵食品、むちゃくちゃいっぱいあります、変なの、すごいいっぱいあるんですけど、今日はそれを紹介できないのが、ちょっと残念ですね。でですす、ね、す。じゃあ紹介るのを発酵食品です

今あの日本ではあのお寿司は握るって言うんですね。でも100年前はお寿司は握るって言わないで漬けるって言ってたのでお寿司は本当は魚の漬物のことです。

Donc là, vous voyez euh, l'océan euh, sur les rives donc de cette région d'Akita en plein hiver, c'est extrêmement triste hein, comme paysage. Il faut voir les chansons traditionnelles japonaises qui vous vont aller à l'esprit. Et cette mélancolie un petit peu, il fait très froid et euh, ces petits poissons rata vont abonder sur les côtes seulement deux semaines par an, donc à cette période très précise de l'hiver. こ,こういういちっちゃい魚がですね本当にいっぱいめちゃくちゃいっぱい取れるんですけどその魚が,、えー、魚が来るとですね、えー、こういうかわいいお母さんたちがいるんですけどこのお母さんたちがです、ね、い,いきなりなんていううだろうあの、えー、いきなりテンションが変わって「ですねドラゴンボール」のスーパーサイヤ人みたいになるんですね。 Donc, vous avez ces petits poissons qui vraiment abondent les, en quantité astronomique qui se, euh, sur, sur les côtes de ce village. Et à ce moment-là, euh, les dames, comme vous voyez ici, hein, euh, du village vont un petit peu comme dans Dragon Ball, se transformer en super Saiyajin. Elles changent complètement. Euh, la tension monte et elles vont justement se consacrer au travail sur ce petit poisson. Et des un えー、えー、あの、mm. Et donc ces dames qui sont complètement surexcitées par l'événement durant ces deux semaines vont se consacrer à la fermentation du poisson et vont faire cette, cette pâte hein, qui ressemble un petit peu à ce qu'on la pâte d'anchois hein, si on prenait une comparaison. でこれはですね、えーと、お寿司にしたり、こう魚醤にしたり、えー、なぜするのかというとですね、このハタハタが、えー、1年に1回しか取れなくて、しかもその2週間のうちに食べきれないほど来るので、えー、その食べきれない魚を有効活用するために、えー、発酵させなければいけなかった。Pourquoi on fait soit macérer mac、d o f e r m e n t

Eh, Donc on est un petit peu vraiment aux origines de la fermentation. Euh, il faut voir que ce village est un village assez assez pauvre, hein. en rural. On n'avait pas les moyens à l'époque d'utiliser la sauce de soja. Donc même pour les condiments, euh, la sauce de soja, on utilisait cette pâte de rata Donc il servait vraiment à tout. De 「まあ日和風」っていう秋田の言葉があってこの「日和風」っていうのは漁に出るのにいい日の前に吹く風でこの「日和風」が吹くと明日は漁に出れるから食べ物を手に入れられて私たちは生きていけるそ,うそれが「日和風」という言葉なんですね。そういうふういいいふにに海と一緒に生ききてかかなきゃいけなゃけった Et donc, ce, ce groupe de dames qui fabrique euh, ces produits fermentés à base de Hata Hata, euh, ce groupe a un nom, le hiyori Kai, donc le, le, le rassemblement, le, le groupe de Hiyoli. Hiyoli, ça vient du nom d'un vent, hiyori Kaze, donc il y a un vent qui souffle à cette période de l'année, et on dit que le lendemain de, euh, du jour où ce vent a soufflé, la pêche sera abondante. Donc, c'est synonyme de pêche abondante, d'où le fait qu'elle ait pris ce nom. Et on voit bien ici, effectivement, les relations entre l'homme et la mer, hein, qui doivent vivre en symbiose et qui doivent vraiment respecter le cycle de l'autre. Deuxième lieu, donc, on va au département d'Aichi, Nagoya, dans la ville d'Okazaki, le miso de Hacho.

あの奥の方に見えるピラミッドみたいな石は味噌、ねの,えーえー、の中の空気をこうやって石を積むことによって抜いてあの悪い菌が入ってこないようにするための発酵の技術なんです、ね、で実はこの岡崎には、えー、3人かな3人だけこの石を積むプロの職人がいます。 Donc les petits pieds, les petits monticules, les pyramides de pierre que vous voyez dans le fond, en fait on les met pour faire du poids sur les fûts dans lesquels va fermenter le miso afin d'évacuer l'air hein, qui permet justement s'il reste de l'air les mauvaises bactéries vont se développer. Donc on évacue l'air pour justement que les mauvaises bactéries ne se développent pas, que seules les bonnes bactéries, celles dont on a besoin, se développent. Et dans la ville d'Okazaki, seules trois personnes, trois artisans sont spécialisés dans euh, l'empilage le, de pierres comme ça sur les fûts de miso. Oh. ね、こう普通のお味噌と全然違う作り方なんですね、この八丁味噌これはね、あの中国の道地、道地というあの調味料にすごいそっくりな作り方であの、おそらく日本に一番最初に入ってきた味噌がですね、そのままの形で残ったものであろうと思います。あのどんな感じなのかってみんな知りたいと思うので、見せるとですね、チョコレートみたいですね、これね。 Le euh, produit Okazaki au au est très différent de celui que vous pouvez connaître ou qu'on peut consommer ailleurs. Et il est sans doute le plus proche de celui qui était importé de Chine à l'époque. Il ressemble toujours à un, à un condiment en Chine. Euh, donc c'est sans doute le miso originel, si je puis dire. Et vous voyez un petit peu à l'écran, ça ressemble à du chocolat dans sa forme finale. で日本人は実はその甘酸っぱくて軽やかな味が好きな傾向があるんですけどこの八丁味噌の味はですね渋くて苦くて結構重いので日本人が好きな味とは真逆なんです。Uh, アシ、どこもでしょう、r o のこの、えー、人がです、ねこのえー、この八丁味噌の文化を500年以上守っているです、ね、マルヤとカクキュというです、ねあの、醸造蔵の旦那さんですね。 味噌なぜこんな不思議な味が残ったのかというとですね徳川家康という有名な、まあ、将軍がいてですね徳川家康の味覚が変だったらしいんですよ。 であの他の人はこのお味噌あんまり好きじゃないのにその徳川家康んめちゃくちゃそのこの八丁味噌が好きだったらしくてもう絶対これ以外の味をつあの守らせるこ他の味は作らせないって言ってこの味を500年間以上あの都会安がずっと守って徳川家が、えー、でそれで、まあ、今に続いているので実はこのお味噌の味というのはですね、えー、中世からずっと続くその。 日本の,あのスタンダードじゃない味の系譜がずっと受け継がれたものなんですね。Donc, uh, Euh, le Hacho Miso, c'est le premier shogun, Tokugawa Ieyasu, qui a unifié le Japon au début du XVIIe siècle, qui avait apparemment un goût un petit peu particulier. Il avait euh, des valeurs gustatives différentes des autres, et donc euh, les goûts qu'il trouvait bons, lui, étaient un petit peu bizarres pour les autres, mais il a décidé et il a ordonné qu'on conserve la tradition, la recette de ce miso que lui.

絶対あの,それ、je m'imagine un petit peu à l'époque euh, de ces euh, combats entre les différents seigneurs où chacun la veille de la bataille mangeait leur miso, leur soupe de miso, et sans doute le, le parfum qui leur parvenait avec le vent, ils disaient :« Non, toi, je ne te laisserai pas euh, continuer à manger un truc qui est complètement différent du mien, et demain on va gagner la bataille. »

えー、唐辛子をこう発酵・熟成させて作るです、ね、唐辛子の調味料があるんですね。缶んずりといいます。こんなふうにあの雪の上にこう赤い唐辛子を巻いていくんですが、すごい美しい景色ですあの。1年のお正月の頃ですね。ン

でこれはです、ね、どういう歴史を持っているのかというと実は日本にはです、ね、薬草の、えー、文化がずっと伝えられてきましたもともとは中国から来たんですけどただ中国の薬草を輸入してるとめちゃくちゃ高いので中国の,その薬草学をです、ね、日本の、えー、薬草植物で代用する、えー、学問ができたんですね。 Euh, il y a depuis donc, les époques anciennes une culture des herbes médicinales au Japon, culture qui bien sûr vient de la Chine, mais comme euh, c'était très compliqué et ça coûtait très cher d'importer ces herbes médicinales de Chine, euh, les Japonais ont essayé de trouver dans euh, les euh, herbes locales ce qui pouvait remplacer et ce qui pouvait justement être utilisé comme herbe médicinale. でその時にこの唐辛子がら、ねえーまあ、そが薬草の一つとして使われていて、えー、でそこからです、ねあのまあえー、将軍に仕え,えていた、えー、そのお医者さんがです、ねえー、この缶釣りという発酵食品の原型を作って伝えたということが分かりました。

いかに病気にかからないようにするかっていうのが大事だったんですね。でその時に薬草学と発酵を組み合わせるということを思いついたっていうのがすごいですね。この Un enlèvement de plus de 3 mètres de haut, donc il est très difficile de se déplacer même en dehors du village, et donc il ne fallait pas tomber malade. Et pour ne pas tomber malade, euh, les gens de ce village ont combiné la technique de fermentation avec les armes médicinales pour se prémunir des maladies. Eh, 飲むっていうのののがねこのおじさんたちの幸せで僕もその缶釣り飲み会に混ぜてもらったんですけど最高でしたね。 De se réunir autour du foyer, dans la maison, et de consommer des aliments avec ce condiment, ce kanzuli, et en buvant du saké, du saké trouble. Vous avez peut-être déjà vu où on laisse la lit dans le saké, et c'est vraiment délicieux. Moi-même, j'étais invité à un banquet, c'était vraiment succulent. Donc là, nous passons à une île qui est le nid de cent quelques dizaines de kilomètres de Tokyo, Aogashima, population d'environ 160 habitants, et là, il y a une boisson, une eau de vie, un shochu très atypique qui est fabriqué. C'est une île volcanique. On voit le volcan au milieu. こういう焼酎です。青虫と言います。Ce, 焼酎,焼酎はい、生、え、酎、ーね、は、ね、生酎は、島で自給自足で、えー、取れた大麦にです、ねえー、黒いカビをつけてです、ねえー、麹を作って、これで醸す、えー、焼酎です。Donc, uh, elle utilise des produits donc locaux, donc du, du blé local, et sur la céréale, on va saupoudrer la, la moisissure noire pour la faire fermenter. Vous ,あの voyez le, le mou qui est obtenu ainsi, hein, euh, fermenté donc avec cette, ce ferment noir. C'est ce que vous voyez dans le, dans le feu à droite. C'est un petit peu euh, du pétrole. Hein. でこれをこう混ぜてこう発酵させていくんですけど、えー、このです、ね、野生のカビはどこから来てるかというとオオタ大谷渡りというです、ねあのえー、火山に生える、えーやえー、大きな,こうなんか熱帯植物の表面にカビがついていてこの葉っぱを麦の上にかぶせて菌をつけるということをやります。 Et donc, euh, ce, euh, ce ferment, cette moisissure, vient de la nature, vient d'un élément naturel, qui est une plante, une sorte de fougère, hein, qui euh, pousse sur les terres volcaniques. Et euh, au dos de la feuille de cette fougère se trouvent euh, les moisissures, hein, les ferments qu'on va justement utiliser pour la fermentation. あの で国が配る、えー、工業的に培養された菌で、えー、お酒を発酵させるようになったんですけど、えー、この青ヶ島はですねちょっとあまりにもあの他の場所から離れすぎていてです、ね、あの国,国が管理できなかったんですね。 Alors, il faut savoir que tout ce qui est production de boissons alcoolisées par fermentation euh, et les ferments utilisés sont maintenant contrôlés par euh, l'État. Hein. Donc il y a une liste précise de ferments qu'on va fabriquer de manière industrielle. On n'utilise plus de ferments naturels, sont pris dans la nature. Mais cette île d'Aogashima était tellement loin de tout que l'État n'a pas réussi à avoir son emprise dessus. Donc on continue là-bas d'utiliser des ferments qui sont issus de euh, la nature. Alors, ちょっとホームブルーイングみたいにみんな作っていてあの右側の写真はあの島の人たちが総出で、ね、あの芋をあの洗ってるんですけどあのみんなでお酒作るんですねあのこれはですね青ヶ島以外ではやっちゃいけないやり方ですだからあの島の人たちがみんな好き勝手に酒作るっていうのができる不思議な島なんですねここえどんどの idée que on fait les choses un peu différemment en Guatemala. Vous voyez ici tous les gens du village qui se réunissent. ils sont en train de récolter la patate douce qui va servir à la production de cette eau de vie. Et donc tout le monde fabrique de l'eau de vie distille, ce qui est bien sûr formellement interdit ailleurs, mais là, on n'hésite pas entre villageois à faire ça gaiement. コントロールされているか確立化されれててるかくんですけど日本の場合は島だけが例外で島がですね本当に無法地帯になっていることが多くてですねあの昔のこうアジアの発行文化の原型をとどめているような面白い文化がいっぱいありますその中で一番驚いたのがですねこの青宙青ヶ島の青宙の文化で僕も微生物分析してみたんですけどあのすごい変な菌がいっぱいあります。 いいっぱいいましたねよくこんなんで酒作れんなと思ったんですけどこれ上流するとアルコール度数70度ぐらい出てるんですね。いいや結構ありえないです Euh, donc, effectivement, tout ce qui est produit fermenté, il euh, y a des questions d'hygiène, de sécurité. Donc, c'est très, très réglementé dans tout le Japon. Mais euh, apparemment, il y a des îles qui, sont, euh, qui échappent, hein, qui sont un petit peu des exceptions. Et c'est le cas à Ogashima Donc, il y a vraiment une, une culture un petit peu voilà, qui est euh, au-dessus des lois. C'est ce qui est très intéressant. Et ce qui m'a plus étonné dans ce Aochu, donc dans cette eau de vie, euh, j'ai analysé les micro-organismes qui sont. J'ai trouvé vraiment des choses très bizarres. Hein, au point de me dire, mais ils arrivent vraiment à faire de l'alcool avec ça. C'est assez euh, stupéfiant. Et euh, une fois distillé, アルコールはいあのまでこんなふうに実はその日本ってあの日本って実は豊かな国ではなくてむしろ貧しい国であのいろいろ食べるものが禁止されてるし雪が降ったり島だったりで生きていくのが大変だったのであの何とかして限られたもので えー、限られたものと微生物を組み合わせてこう生き延びてきたということ歴史があってでその中から生まれてきたのが、まあ、日本の発酵文化ななんんだって話なんですねでこういう話が僕の著書あの本の中でいろいろ書かれているので是非、えー、皆さんに読んでほしいなと思うんですけど実はフランス語で。

il est assez pauvre notamment au niveau euh, des ingrédients hein. il y a beaucoup d'interdictions il y a beaucoup de contraintes naturelles la neige euh, le climat etc etc donc la culture notamment de la fermentation est née de cette idée qu'il fallait faire avec les contraintes limitées et avec les micro-organismes pour justement euh, réaliser ces produits. Donc, c'est toute cette histoire que j'évoque dans euh, mon ouvrage, qui, hélas, pour l'instant, n'est euh, uniquement en japonais. Une traduction qui est prévue. Elle a été un petit peu retardée par le coronavirus, mais j'espère qu'elle va voir le jour très prochainement. beaucoup donc je vais m'arrêter pour cette présentation et euh, me tourner vers Marie-Claire-Frédéric pour lui poser quelques questions. D'abord, si vous pouvez vous présenter un petit peu euh, au public euh, qui est là aujourd'hui et ensuite nous donner votre impression sur les quatre produits et les quatre euh, donc, terroirs que j'ai présentés. Merci beaucoup. Donc, euh, je m'appelle Marie-Claire Frédéric. Je suis spécialiste euh, française de la fermentation. Euh, J'essaie de, de, faire, de, de faire un revival de la, de la fermentation euh, en France. Euh, J'avais créé un restaurant qui s'appelait Suri, euh, qui était à Paris, mais malheureusement, ce restaurant n'a pas survécu à la crise sanitaire. Et là, euh, donc, j'ai Actuellement, j'ai créé une école, l'école de fermentation, pour toute personne qui veut apprendre à, faire, à fermenter euh, des aliments, euh, que ce soit des légumes, des, des produits laitiers, euh, enfin, tout, tout un tas d'aliments fermentés. Euh, vous pouvez m'écrire et je, je, je fais des ateliers donc, de, de formation. Enfin, si vous voulez, après, j'ai un flyer à. Que vous pouvez prendre si ça vous intéresse. Je suis aussi l'auteur de ce livre dont vous voyez la couverture, Ni cru ni cuit. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir été traduite en japonais. Hein, ah oui. parce que le livre est paru en, en japonais euh, aux, aux éditions Arashogo. Et c je suis, ça m'a rendu très fière d'avoir mon livre traduit en, en japonais. Et donc ce, ce livre parle de, de la fermentation dans un sens, dans un sens anthropologique. J'étudie l'histoire et la géographie de, de la fermentation dans le monde. Et ce qui m'a intéressé vraiment... Euh, c'est que partout dans le monde, déjà partout dans le monde, il y a des aliments fermentés. Il n'existe pas une seule culture gastronomique au monde qui n'a pas d'aliments fermentés. Il y en a absolument partout. Et partout, ce sont des traditions très très anciennes, donc, comme, comme au Japon. Le Japon ne, ne déroge pas à la règle. Et, et donc ça, je trouve ça, j'ai creusé ce... ce cette idée, j'ai tiré le fil et puis ça, ça a donné des choses vraiment que j'ai trouvées passionnantes sur, la, sur les aliments fermentés. Et ce, justement, ce petit, ce petit documentaire sur les produits japonais m'a vraiment, vraiment intéressé. Ce que je remarque, c'est qu'il y, y a des points communs. Les, les, points, les principaux points communs, c'est déjà la, la variété des saveurs et des goûts. Donc, on a, on a parlé des, des shoguns qui avaient chacun leur miso avec le, les, les goûts différents. Et ça, la, la fermentation, en fait, c'est le contraire de l'uniformisation. C'est le contraire. L'industrie agroalimentaire, elle veut tout uniformiser, tout à le même goût. Euh, les camemberts industriels, par exemple, ils ont tout le temps le même goût d'un bout à l'autre de l'année. Tandis que là, j'imagine même qu'il y a des variations saisonnières. Hein, les, si les produits ont été faits en telle saison, ce n'est pas pareil que s'ils ont été faits d'une autre saison. Donc c'est quelque chose qui est, c est, c est une infinité de goûts différents et ça, c'est super intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Alors il y a ça, il y a la variété. Euh, il y a aussi le fait que c'est des aliments de santé partout. C'est considéré. Euh, comme des aliments de santé. Euh, au Japon, le, le miso. Le, vous avez parlé aussi des herbes médicinales, euh, comme la, avec le, ce piment. Donc c'est quelque chose qui nous soigne, qui, qui est censé nous, nous guérir de maladies. Euh, il y a aussi le fait que c'est quelque chose de régional. Enfin, c'est vraiment euh, la, la définition du terroir. En français, on a, on a un mot pour ça. On a le mot terroir. Et la fermentation, c'est vraiment euh, l'application du terroir. Parce que comme un aliment fermenté qui est produit à un endroit spécifique, on peut pas le faire à un autre endroit. Il aura pas le même goût, il aura pas les mêmes qualités euh, parce que le, ça dépend. Euh, ça dépend pas forcément du sol euh, où, on, où on poussait les plantes par exemple, mais ça ça dépend surtout des micro-organismes qui sont présents dans l'endroit euh, dans l'endroit euh, qu'on veut définir. Voilà. あの、えー、僕もあのマリさんの本を読んですごい感動しましたあの僕も人類学をやっていたので、えー、非常に共感しましたそれであの今マリさんが、えー、コン,テンツの発行というのはこう核一化に対するこアンチテーゼであるというようなお話をしていたんですけどえっ、ー、とそ,それはえー Ha, ha ,あの, donc, j'étais très intéressé à la lecture de votre ouvrage. Parce que moi aussi, ayant une formation anthropologique, donc euh, beaucoup de points sur lesquels j'étais vraiment d'accord avec vous, notamment cette, hi cette histoire de euh, la fermentation qui est à, à contre-courant de l'uniformité, lanti hein, uniformisation Je voulais savoir si en Europe, depuis les débuts. De la fermentation, on avait euh, les mêmes types euh, de, de produits d'autres, ou euh, il y a une évolution au niveau des, de ce qui s'est fait. Je pense que s'il y a une évolution, elle est, ré, elle est récente. Je pense que c'est resté très longtemps, euh, tant que c'était traditionnel, on, on refaisait les mêmes choses, euh, parce que en fait, on, comme on, on ignorait. Euh, ce qui causait la transformation. On ne connaissait pas les micro-organismes. Les micro-organismes, on les connaît depuis Pasteur, donc ça fait 150 ans qu'on connaît l'existence des micro-organismes. Donc on voyait une transformation, mais on ne savait pas ce qui, ce qui causait cette transformation. Donc, on répétait les mêmes gestes avec les mêmes ingrédients et les... on, se, on se transmettait les recettes de génération en génération, mais on, on reproduisait exactement parce que ça marchait comme ça et on ne savait pas si, si on faisait autrement, euh, le, le résultat aurait peut-être été différent. Enfin, peut-être que ça rate. Ça... Euh, donc, donc, je pense que pendant très longtemps, il y, eu, euh, y a eu quelque chose de, de traditionnel qui est resté. Et là, en fait, ça a changé peut-être, mais c'est depuis. Puis l'industrialisation de, de l'alimentation, malheureusement que, que ça a changé. Et il y a des choses qui disparaissent aussi, malheureusement. Okay. Euh, par exemple, ce qui me fait, je pense à la, euh, on a vu une pâte de poisson japonaise là. Euh, il existait cette même pâte de poisson dans le sud de la France qu'on a qu appelait le mélé (m-e-l-e-t). -E -E C'était une pâte d'anchois. Euh, qui étaient fabriqués euh, sur la côte méditerranéenne. C'était des anchois fermentés dont on faisait une pâte comme ça, une pâte épaisse. Et euh, ça servait à assaisonner euh, l'alimentation. Et ça, euh, ça a pratiquement disparu aujourd'hui, malheureusement. Co hein. de, -あの, y a Pourquoi ça disparu, ce mêlé euh, Je pense qu'il y a aussi les goûts qui changent. Euh, les... Parce que c'est quelque chose d'assez fort en goût. Hein. Et, alors, y a je pense qu'il y a encore quelques producteurs comme ça qui en, qui en produisent, mais, mais vraiment c'est quelque chose, c'est une niche. Hein. Mmh. Et je pense que les, les goûts changent. Euh, malheureusement, les gens préfèrent le Coca-Cola et les, enfin, vous voyez, ce genre de, de goût. Euh, et on, on, on abandonne. C'est pareil. L'uniformisation. Unif, je parlais de l'uniformisation du goût. La, L'agro-industrie La, qui produit des, des, des produits qui ont un, un goût uniformisé et un goût aussi beaucoup moins fort. On a, maintenant, les gens euh, ont peur des goûts forts, hein, des, des, des saveurs fortes. Euh, même au niveau tout simplement, euh, au niveau des, un, des ingrédients euh, agricoles. Des, par exemple, aujourd'hui, les oignons ne piquent plus, les endives ne sont plus amères.

So, Est-ce que, est que vous pourriez définir un petit peu ce que vous entendez par un goût fort Parce que oui. par exemple, Coca-Cola ou Budweiser, on peut dire que c'est un goût fort. Donc, oui. quelle est la différence entre le goût fort euh, d'un aliment fermenté aliment ah oui, et le goût fort euh... d'un aliment euh, industriel, en fait Alors, euh, oui, bah, le goût fort, par exemple. Euh... Oui, le, le, la pâte d'anchois, c'est quand même, déjà, c'est très salé. C'est un, un, un goût très très particulier. On a aussi en France, on a des fromages, des fromages euh, vraiment typés, euh, qui a un, un goût très très fort, très très puissant, surtout une odeur très très puissante. Et souvent, d'ailleurs, l'odeur, elle est plus forte que, le, que le, la saveur. La saveur est douce, alors que l'odeur peut repousser les, les non-initiés. Mais je, je pense que c'est-à-dire, c'est un, un la, les goûts un, industriels sont vraiment devenus fades. C'est le contraire d'un goût fade. Le goût fort, pour moi. deux, mm. <laughs> <laughs> えっと <coughs> 日本の場合だと麹カビと麹を作るっていうことがターニングポイントになって和食の文化が作られていったんですけどヨーロッパにおいてはそういう,こうターニングポイントはあったんでしょうかっていうのが1つ目の質問です。 J'aurais deux questions. Euh, la première, c'est quel est le moment charnière, le point charnière hein, qui va effectivement euh, euh, où tout va changer au niveau de la culture euh, gastronomique de la fermentation. Pour le Japon, hein, comme j'ai dit, c'est l'utilisation le, le, le du, du koji, hein, koji kabi. Donc, quel est le, le, le moment charnière où la culture de la fermentation va se faire? Qu'en est-il en Europe Est-ce qu'il y a un moment charnière Quelque chose Europe, comme ça qui va définir Avant, je voudrais faire un aparté. Hein. Je, je voudrais revenir un peu sur le goût. Le, le, il y a aussi le fait que l'aliment fermenté a une palette aromatique très grande. Hmm. Ce n'est pas seulement la, la force, l'échelle faible-fort, c'est aussi la, la palette aromatique. C'est aussi dans le sens de la largeur. Il y a énormément d'arômes arôme, différents dans un même produit. Par exemple, dans le vin... Le vin, c'est le principal produit fermenté en France, le, le novin. Eh bien, il y a plus de 400 molécules aromatiques dans, dans un seul vin. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, c'est ça aussi qu'apporte qu la fermentation par rapport aux, aux produits euh, industriels. Alors donc, la charnière, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment eu de, de, de charnière... Euh, en, en, en Europe, donc euh, parce que des, des, nous, les aliments fermentés que nous produisons en, en Europe, c'est surtout les produits laitiers, euh, les produits, le, le vin, la bière, le cidre. Euh, c'est surtout ça. Enfin, il y, y a quelques exceptions. Si on, dans le sud, on fait, on, fait, on fait donc des anchois, des choses comme ça. Dans le nord, on fait plus des harons euh, Donc, il y a les, aussi des, des, quelques poissons, mais euh, donc, le, le vin, bah ça existe depuis l'Antiquité, euh, l'Antiquité gréco-romaine. Euh, le vin s'est beaucoup développé grâce à la religion chrétienne qui avait donc le vin. Le le vin dans, son, dans sa liturgie, donc il fallait faire des, mettre des vignobles partout, euh, partout où il y avait des évêchés, il y avait des vignobles. Ça s'est beaucoup développé comme ça. Mais pour les autres, les autres aliments fermentés, les fromages, par exemple, c'était aussi une économie de subsistance. Parce que le fromage, c'est une manière de conserver le lait frais. Hein. Le lait se conserve quelques jours, alors qu'un fromage, vous pouvez le conserver un an, voire plusieurs années c'est comme, comme au japon c'est aussi euh, un souci de, de conserver la nourriture Mais je, je enfin je vois pas de, de moment où ça où moment charnière ou quelque chose a, a vraiment changé point est-ce que euh, justement l'une des l'un des, des, des éléments, ce serait euh, la levure et euh, la bactérie euh, lactique, justement l'acide lactique pour le pour la fermentation lactique. Alors pour la, la fermentation des fromages, ça se fait naturellement. On n'ajoute pas de levure, on n'ajoute pas de de, de, de spéciales. Le, les bactéries sont déjà contenues dans le lait, donc on, on ne rajoute rien. On rajoute Uniquement, éventuellement, de la présure, mais la présure, c'est pas vraiment un ferment, c'est euh, une enzyme qui sert à solidifier le lait, à cailler le lait. Mais le goût du fromage, il est donné par les ferments lactiques. Les ferments lactiques sont déjà présents dans le lait. Alors, ils sont dans le lait, ils sont aussi euh, sur les, les étagères euh, pour l'affinage des fromages.

L'autre question, ça va être un petit peu sur l'aspect spirituel. Est-ce que les Européens y ont trouvé euh, voilà, une dimension spirituelle dans cette action des micro-organismes Oui, autre, autrefois, on, comme on ne connaissait pas les micro-organismes, on pensait que c'était un peu quelque chose de magique. Hein, on ne sav, savait pas trop. Et donc, il y a, y a des, des rituels, des croyances, euh, des choses... Des, oui, des, 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 des super, voire des superstitions qui sont liées à la, à la fermentation. Euh, par exemple euh, je, il y a quelques maintenant je sais pas ça dû disparaître mais il y a quelques années il y a à peu près une 15-20 ans où j'étais dans le cantal et j'ai assisté à la fabrication du, du fromage de salaire. Euh, dans, dans le buron dans les, dans les montagnes et c'était euh, donc le, le fromager euh, quand il a mis il avait, il avait son lait dans, dans sa grande cuve en, en bois et quand il a mis la présure dans, dans le lait il a fait le signe de croix parce que pour lui c'était quelque chose, donc il, il, il voulait que ça réussisse, donc il a fait le signe de croix pour que il a fait il a même récité une petite prière euh, pour pour assurer la réussite de la fermentation. Et il y a aussi des croyances euh, on, parce qu'on avait peur que ça que quelque chose échoue, on avait peur de d'offenser soit Dieu ou soit les esprits ou quelque chose comme ça, donc euh, il fallait fallait que tout soit bien fait dans les règles il euh, y a, y a des, des croyances par exemple euh, les, à certaines époques les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans les chais de, de fermentation du vin voilà, enfin, voilà c'est maintenant heureusement ça a, que, que ça a disparu mais il y, y, y avait des croyances de ce genre là ouais. えー、フランスに住んでた時にあの、えー、とユダヤの人たちのユダヤ人街の近くに住んでたんですけどその時にあの、えー、パ,ンパンを発酵させちゃダメな時期があるっていうことを知ってすごいびっくりしたんですけどこれもやっぱりこう何か儀式とかに関係してるんでしょうか Quand j'habitais en France, donc euh, j'avais été étonné euh, d'apprendre auprès d'amis euh, juifs que dans euh, la religion juive, il ne fallait pas faire fermenter le pain à certaines périodes de l'année. Euh, oui. D'où ça vient Alors, euh, bah, ça vient de dans la religion juive, on, on on célèbre donc le, le, le moment où les Hébreux euh, ont dû fuir, euh, ont dû, ça, ça, la, la, fuite des, la fuite des Hébreux euh, qui, était, euh, qui avait été colonisés par les Égyptiens. Enfin, voilà. Et donc, ils ont dû fuir euh, très rapidement à un moment. Euh, et donc, ils n'avaient pas eu le temps de laisser lever le pain. Ils... C'était quelque chose d'impromptu, de, il devait partir tout de suite. Et donc, pour, pour célébrer, pour célébrer ce, cet, cet événement, maintenant, donc, il y a le, une fête en, au cours de laquelle on mange du pain non levé. Et d'ailleurs, le, le fait de lever le pain ou ne pas lever le pain, c'est la grande différence entre la religion chrétienne et la religion juive. En, la religion. Euh, quand il y a eu le schisme, enfin il y a eu le, le schisme qui a séparé donc, la religion catholique de la, la religion orthodoxe, le schisme s'est fait autour du pain, parce que euh, dans la religion catholique, on a voulu euh, euh, donner la communion avec l'hostie, l'hostie qui est donc un pain azime, un pain non levé, alors que les orthodoxes étaient vraiment, vraiment traditionnellement attachés au pain levé, puisque le, symboliquement, Symboliquement, le pain levé, le, c'est la vie, c'est la vie. Comme tout à l'heure les, les bulles qu'on voyait sur le... le sur le mou là c'était le symbole de la vie et ben le la levure le fait que le pain lève c'est le symbole de la vie donc c'était pour, pour les chrétiens orthodoxes c'était insensé de, de, de symboliser le christ par quelque chose de, de mort parce que c'est quelque chose qui n'est qui pas levé donc voilà donc le grand schisme a eu lieu autour du pain donc c'est quelque chose d'important effectivement mmh. あの実はその日本でも工事が結構その昔の,あの和歌によく出てきていてでその工事がですねそういうその神様、まあ、昔の人はやっぱり微生物のことがよくわからないので、まあ、神様の使いだと思っていて非常にその日本酒が発酵したりすることがですねあとは工事ができたりすることが。 Uh, au Japon aussi, hein, le, dans la poésie classique, hein, classique, on a uh, plusieurs allusions au koji. Et uh, comme effectivement les, les gens des époques anciennes ne savaient pas comment fonctionnent les micro-organismes, ils voyaient ça comme des envoyés de, des divinités, hein, comme des, des présents des divinités. Et euh, la réaction chimique donc, qui a fait le saké ou euh, les autres aliments fermentés étaient vraiment pris comme des manifestations de la vie oui, qui étaient donc euh, voilà. octroyées oui. par les divinités. Oui, donc par, partout, c'est le même, les mêmes symboles. Oui. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'universel dans cette conception oui. des liens entre la fermentation et, et la vie oui, il y a aussi ces pleins de paradoxes. Parce que la fermentation, c'est quelque chose qui est vivant. Quand on mange un aliment fermenté, on mange vraiment un aliment vivant. Parce qu'on on ingère des bactéries vivantes. Qui vont aussi nous et qui vont nous faire vivre nous, parce que ces aliments-là. Donc déjà, ils soignent notre santé et en plus, ils nous nourrissent. Donc c'est quelque chose de vivant qui va nous nourrir pour que nous nous puissions vivre. Alors il y, y a ça. Il y a aussi l'ambivalence entre le fermenté et le pourri, mmh. parce que parfois, un aliment fermenté, on est vraiment à la limite. On est on est sur le fil du rasoir entre le, le, le fermenté et le pourri. Quand on pense, par exemple, aux, aux, aux poissons très, très fermentés des populations des Inuits, les Inuits, ou les, les, en Sibérie aussi, les pays du Nord, comme ça, mangent des, des poissons, des phoques, des oiseaux euh, très faisandés, mais vraiment, un, pour nous, Européens, euh, on trouve que c'est pourri. On trouve que c'est vraiment quelque chose de pourri. Mais pour eux, c'est bon c'est même un, un produit de fête et c'est fermenté c'est pas pourri donc il y a, y a cette, cette ambivalence parce que la pourriture elle évoque la mort plutôt mais la fermentation elle est du côté de la vie et, et voilà donc il y a cette ambivalence aussi et c'est ce, ce rapport mort vie et en fait on est dans un, dans un cycle, parce que c'est quelque chose qui est vivant, bon, qui, qui finit par mourir. Et c'est la mort qui fait renaître la vie. Parce que le, le, la, la pourriture, c'est le compost. Et le compost, c'est quelque chose qui fait vivre la terre, qui fait vivre les plantes. Les plantes, elles vont, elles vont pousser sur le compost. Donc c'est la vie qui va renaître de la mort. Et, et ça, la fermentation, en fait, ça nous apprend. Que la, que la vie c'est un cycle et qu'il y a la vie, la mort et que la vie revient de la mort et que sans la mort, la vie ne pourrait pas exister. Voilà, c'est quelque chose de, de très profond finalement. euh, <laughs> <laughs> あの 発行なのかっていうことを調べていくとあの、えーまあ、昔の古代中国ではその、えー、鳥渡り鳥っていうのはこう先祖の,かあの、えー、西から帰ってくる先祖の霊だというふうに言われていてで、えー、つまりその、えー、死んでしまった魂がまた次の土地に戻ってくる。 C'est très intéressant parce que si l'on regarde un petit peu l'étymologie du mot fermentation, euh, en Chine, le plus ancien caractère chinois qui est utilisé pour désigner la fermentation, euh, ça désigne un oiseau. Pourquoi on utilise un caractère qui euh, désigne un oiseau pour la fermentation Parce qu'en fait, dans la Chine antique, il y avait une croyance selon laquelle les oiseaux migrateurs étaient en fait les âmes des ancêtres, les mannes des ancêtres ouais. qui revenaient chaque année donc de, de l'Ouest. Donc chaque année, on a ces mannes des ancêtres qui reviennent, euh, donc ces morts qui reviennent à la vie chaque année. Et donc ce caractère signifie donc fermentation et aussi le, 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 le saké. Ah oui, oui, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et en fait, la fermentation, c'est un peu la vie éternelle. Parce que ça prolonge tellement l'aliment aussi qu'un aliment qui normalement devrait être pourri en quelques jours ou qui, euh, peut se conserver pendant des années. Et cet aliment, justement, euh, le fait que ça se conserve très longtemps, ça a sauvé dépopulation, de famine ou de, de pénurie, de, quand il y avait des mauvaises récoltes ou des choses comme ça, euh, grâce à leurs réserves fermentées, ils ont pu survivre à ça. Donc ça, dans, dans l'imaginaire euh, collectif, hein, c'est synonyme de, de quelque chose de béné très bénéfique pour la vie et, de, et, le, et le fait que, bon, que ça se conserve très longtemps, c'est un, un peu la vie éternelle. Ouais. <laughs> ラエテルネあのすごいいい表現ですね <laughs> あの素晴らしいなと思いましたいや本当にあの僕も発酵のことを関わってるんですけど友達のあの日本酒だったりお味噌の蔵が500年とかやってるところが結構いっぱいあるのであのそのそこの蔵の友達はですね、えー、蔵を継ぐ時にですね えー、創業者のですね名前を襲名するんですねだから、えーっとえー、現代人なのに、えー、15代前、えー、300何十年前の、えー、ご先祖様の名前をこう名乗らなきゃいけないっていう文化があるんです。 J'aime beaucoup ce mot de, de vie éternelle et ça m'évoque quelque chose justement dans donc, euh, mes recherches sur la fermentation. J'ai plusieurs amis qui euh, enfin, fabriquent du saké ou du miso euh, et donc ont, ont un atelier, un culat de fabrication de miso ou de saké qui a parfois plus de 500 ans d'histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une tradition, c'est que quand ils euh, prennent la direction de ce culat, ils doivent prendre le nom du fondateur. Donc de plusieurs siècles auparavant. Donc on a ah oui. une personne de notre époque qui va, lorsqu'il prend ses fonctions, hériter du nom euh, du fondateur, de son ancêtre ah. justement. Ah oui, ah oui. oui. Donc, en fait, les, les brasseurs japonais ne, ne meurent pas pendant des ah siècles oui, et des oui, siècles, leur nom oui, subsiste. C'est ça. Ouais. Ah oui, c'est très beau. <laughs> 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 無子養子に入ってで蔵を継いだから、えー、15代前の、えー、ご先祖様の名前になったから苗字も名前もこう何も残ってない友達がいますね。 J'ai par exemple un ami qui a euh, donc hérité d'un kula par mariage. Donc, son épouse était euh, la fille donc euh, du dernier descendant, et donc il a hérité du nom. Donc, euh, son nom de famille a changé, son prénom a changé. Il a plus du tout la même identité ah, oui. du fait qu'il a <laughs> justement pris la fonction. Ah oui. <laughs> あんまりないような世界があって300年前400年前のご先祖様のことをいつも考えながらこう生きていたりとかあとはそのそこの蔵に住んでいる微生物のことを第一に考えて生きているっていうですねすごいその不思議なこう世界観があるんですね。 Quand on étudie un petit peu justement cette culture de la fermentation japonaise, on se rend compte, j'ai l'impression, que euh, cette notion du moi moderne est un peu absente. Hein, comme mmh. on le voit, on a ici euh, un ancêtre de, de plus de 300, 400 ans auquel on pense toujours, déjà parce qu'on en porte le nom, euh, cette euh, conception aussi du fait qu'il faille s'occuper des micro-organismes, oui. donc euh, le moi se dilue un petit peu dans tout oui. euh, ce, cette, ce processus. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Il y a aussi un autre élément important, c'est le temps. Ah. Parce que le temps, c'est aussi un ingrédient dans la fermentation. Le temps, la fermentation a besoin de temps. On ne peut pas compresser le temps de la fermentation. Il y a certaines choses, qui, ça doit fermenter un an, ça ne peut pas être fait en six mois ou en, ou en un mois. Et, euh, et, et, le, et le fait que le temps, normalement, le temps qui passe conduit à la mort, parce que le plus on vieillit, on vieillit, et puis on, voilà. On finit. Tandis que dans la fermentation, c'est le contraire. Le temps qui passe aboutit à quelque chose d'encore plus vivant et quelque chose d'encore meilleur. Donc, c'est aussi une espèce de. de on transcende l'idée du temps qui passe. あの今の現代だとそのえーなるべく何でも時間をかけないようにして時間をゼロにしようとするのがまあいいビジネスですけどその発行の場合はこうそれが逆になってなるべく時間がかかった方がいいっていう風になるのはちょっと現代においてはとても不思議なことじゃないですか。 J'ai l'impression que la fermentation va un peu à contre-courant de euh, la conception moderne où euh, il faut que tout soit fait un peu de manière instantanée. Hein. Oui, plus on fait les choses oui. rapidement, plus euh, <laughs> les affaires euh, fonctionnent. Mais là, la fermentation, il faut au contraire. Plus on prend du temps, plus ça. le produit est meilleur. C'est l'éloge de la lenteur. Il faut vraiment prendre le temps qu'il faut. Il faut, faut attendre. Il faut... Voilà, on ne peut pas se dépêcher. Faut... Voilà. C'est une autre conception de la vie, euh, je pense. Oui. その発行の,その時間がかかるとかコントロールができないっていうコンセプトは例えば未来にまあ地方であの田舎で何か新しいこう経済とか文化を作るときにあのフランスでもすごいそのキーになるものなんですかね。 Et justement, est-ce que cette idée du temps qu'on ne peut pas contrôler, qu'il faut consacrer, ne pourrait pas aboutir, même par exemple en France, à de nouvelles économies rurales notamment, qui seraient basées sur non pas le temps contracté, mais le temps étendu ben, non. Pour l'instant, oui. Il y, y a toujours des, des artisans qui font les choses correctement, qui font les choses bien. sont, sont des, pro, des produits, euh, des très bons produits. En France, il y en a quand même. Heureusement, on en a encore. Mais malheureusement, il euh, y a aussi beaucoup euh, de produits euh, qui sont faits rapidement et qui... Et voilà. Mais... Euh, euh, c'est vrai qu'il y a une valeur ajoutée, euh, une valeur ajoutée vraiment dans les, pro, dans les produits traditionnels et dans les, produits, dans les très bons produits qui sont faits dans les règles de l'art. Il y a aussi l'idée que, le, en fait, c'est le ferment qui commande. C'est pas l'homme qui commande au ferment, c'est le c'est le produit qui dit qui dit lui-même ça y est je suis prêt ou je ne suis pas encore prêt. C'est un peu comme le robot tout à l'heure là. <rire> Mais <rire> sauf que ça parle pas. <laughs> Mais je ne sais pas, par exemple, fait, si vous faites un, un saucisson, parce que le saucisson, en France, c'est de la viande fermentée. Peu de gens le savent. Mais le, le saucisson, c'est de, de la, viande, donc la viande hachée mise dans un boyau et qu'on laisse sécher, fermenter. Et c'est pareil, le, bah, le saucisson, s'il est fait rapidement, il n'aura pas le même goût que celui qui a, qui a attendu plus longtemps pour, pour, pour être bien sec, etc. Euh, il y a aussi le, par exemple le pain le pain au levain en france euh, le pain aussi c'est quelque chose d'un aliment fermenté important le pain au levain prend plus de temps à être préparé que le pain à la levure, un boulanger le, le normal, le lambda qui vous fait le pain à la levure, il peut vous faire une baguette en deux heures de temps, tandis que le pain au levain, ça peut prendre deux jours pour être pour être fait de, de A à Z. Et évidemment, nutritionnellement parlant, c'est pas du tout la même chose pour euh, que ce soit pour, pour les nutriments pour le goût pour la santé c'est pas du tout la même chose mais il y a, heureusement il y a encore des boulangers mmh. qui font du pain comme ça traditionnel et je pense que aujourd'hui avec les les considérations qu'on a aujourd'hui qui sont écologiques, environnementales, et les gens veulent maintenant connaître la provenance de ce qu'ils mangent. Il y a une espèce de préoccupation justement de manger des choses saines, des choses plus naturelles. Je pense que ça va se développer sur cette vague-là. Japon, il y いろんな変化があってで今あの東京とか大阪以外の小さな町地方であの発酵食品であのえ町おこしをするっていう例がすごいいっぱいあってで僕よく仕事で呼ばれるんですけどでそこでどんなことが起きてるかっていうとあのまあ日本ではこう20年30年ぐらいずっとそのえ東京とか大阪とか大きい町が。 町に資源が集中して地方はこうお年寄りだけ取り残されるっていう状況が続いてきたんですけどでそれでいよいよもうあのち地方がもう消えてしまうっていう状態に近づいていてでしかも、えー、東,東京も大阪も経済成長が止まったっていう状態の中でどうやって新しい。えー Uh, ce qui est intéressant au Japon, il y a un phénomène depuis à peu près cinq années uh, qui se produit, c'est que, c'est en dehors des, des grandes métropoles comme Tokyo et Osaka, dans des petites villes, on voit beaucoup uh, de villages qui vont justement essayer de uh, construire leur remondissement, leur essor, leur second essor uh, sur la fermentation. Euh, Voir depuis euh, 20 ou 30 ans environ, toutes les, les ressources, tous les biens, en fait, se sont concentrés dans les grandes métropoles comme Tokyo ou Osaka, et il ne restait dans les campagnes que les vieilles personnes. Et donc, euh, le déclin des, des, des communautés rurales était un petit peu euh, semblé inévitable, mais avec alors, le ralentissement économique justement de ces grandes métropoles, on a un engouement, un regain euh, d'engouement de, 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 pour euh, ce qui est local et. n o t m m e n t 例えばなんですけど、euh, euh, IT 業界で働いていた女の人が、euh, 地元に帰ってきて、euh, こ子供ができて、euh, でその帰ってきた場所に仕事があんまりないから、euh, 工事を作ってですね、 その工事をインターネットで売るっていうベンチャーをやってたりするんですね今ねそういうのが結構だんだん起きてきています。 On a par exemple des exemples de femmes qui travaillent dans l'informatique, qui, une fois revenues dans leur province d'origine, ont des enfants et donc elles n'ont pas de travail, parce que l'informatique est beaucoup moins développée dans les provinces rurales. Et donc elles se mettent par exemple à fabriquer du koji et auront l'idée, du fait de leur formation et de leur ancien emploi, de vendre ce koji sur Internet. Donc de nouveaux business qui se créent comme ça.

発酵蔵醸造蔵ってあの、えー、すごいその,その地域がピンチになっても一番最後まで逃げない人たちなんですねなんでかっていうと逃げると微生物を置いていっちゃうからあの微生物のために絶対にその土地から逃げられないのであの実は、えー、すごい田舎にいるんだけど一番新しい発想をする人たちでもあるなというふうに僕は思います。 Euh, voir que même quand un village vraiment décline et que la population euh, euh, part un petit peu euh, partout, les gens qui travaillent qui ont un rapport avec les coulas, donc ces ateliers de fabrication de produits fermentés, sont ceux qui restent en dernier. Pourquoi Parce ah oui. que s'ils s'en vont, ils laissent les micro-organismes périr et se perdre à jamais. Ah oui. Donc ce sont ceux qui vont rester, former ce noyau à partir duquel justement on pourra avoir un rebond. Ouais. Ah oui, oui, ouais, c'est très... Ouais. Très beau d'ailleurs, qu'on imagine, il reste pour protéger les micro-organismes. Voilà. Et, et de là, ça va, ça va renaître. En France, on a un peu aussi ça avec les, les brasseries artisanales. Parce qu'il mmh. y, y a 30 ans, il n'y avait plus aucune brasserie artisanale en France. Il n'y avait que les, les grandes brasseries euh, industrielles, Cronenbourg, Heineken et ce genre de, de, de bière. Et depuis, euh, depuis donc 20 ans, on voit réapparaître plein de petites brasseries dans les villages, dans les, même dans les villes. À Paris, par exemple, il y a plusieurs brasseries artisanales et des, des gens qui font de la bière vraiment avec des, avec des levures, enfin, avec de la bière bien faite et, bien, et de la bière naturelle qui n'est pas pasteurisée et ça il y a un regain d'intérêt pour ça et je pense que ça c'est un mouvement général et que ça va ça va s'amplifier et ça va peut-être déteindre sur d'autres choses parce que on voit aussi pour le pain il y a il a aussi des plein de paysans boulangers qui s'installent qui sont qui font donc qui, qui font pousser le blé eux-mêmes le blé et ensuite ils font le pain avec et voilà c'est enfin, moi j'espère que ça va sans c'est le futur de de l'alimentation, ça serait bien. On continuera bien cette conversation, mais je crois qu'on est arrivé <inaudible> à l'heure des questions-réponses, donc so on va peut-être laisser <inaudible> le public maintenant poser des mm. yeah, questions. J'imagine que vous allez toutes et tous poser des questions en rapport avec... Ce que nous venons de dire pour prolonger la conversation. est-ce que le Hata-Hata, le fameux poisson, il continue à venir toujours deux semaines par an malgré le changement climatique <fr> uh, uh Ça dépend de ton, en fait. Non, t'es pas là. Côté.

Effectivement, les mers du monde entier et celles du Japon aussi changent et on ne sait pas si on pourra continuer très longtemps à fabriquer ces produits fermentés à base de rata-rata. Bonjour. Je voudrais savoir qu'en est-il de la législation pour la vente de ce type de produits parce que j'ai toujours entendu dire que c'était des productions domestiques. Mais euh, hormis la choucroute qui est restait euh, le, le, le produit euh, fermenté emblématique français dans l'industrie, le reste, l'industrie veut systématiquement que tout soit stérilisé. Est-ce qu'il y a encore possibilité de vendre ces produits et dans quel, euh, euh, dans quel cadre euh, Oui, oui, bien sûr, il est tout à fait possible de, de vendre ces produits. Euh, en fait, en France, la législation vous oblige. À, enfin, vous avez l'obligation de résultat et pas l'obligation de moyens. C'est-à-dire que vous devez vendre un produit qui est sain pour les gens, que donc, les clients ne doivent pas s'empoisonner en mangeant votre produit. Donc, euh, il suffit de faire des autocontrôles et pour prouver que votre produit est sain, et vous pouvez tout à fait le, le commercialiser. En, par exemple, en ce qui concerne les légumes, les légumes fermentés, par exemple, euh, il suffit de mesurer le pH du produit, et si le pH est, est bon, est inférieur à un certain seuil, euh, il n'y a aucun risque de contamination par des pathogènes, donc vous pouvez tout à fait euh, commercialiser votre votre produit. Oui. Eh donc えー、スーパーマーケットに流通させる時はかなり厳しいですただ、えー、と地元のちっちゃいお店とかあと道の駅っていうファーマーズマーケットみたいなのあるんですけどそういうのに出す時は、えー、かなり、えー、ゆ緩いですねなのでどこまでのル,ルールを決めるかは、えー、作る人が流通によって決めるという。 感じですで、えー、マリさんの言うとおり実はそのあんまり厳密にあの発酵をコントロールしてないやつの方が面白い味だったりするので、えー、そういう発酵食品が、えーえー、買える場所として僕はあの東京にお店を作りました。 au Japon il y a un petit peu une, une interprétation à deux vitesses de la loi si vous voulez vendre vos produits fermentés dans des grands magasins des supermarchés donc ce, des, des grands euh, établissements effectivement il faut euh, comment dire, suivre des règles assez sévères au niveau de l'hygiène. Mais si c'est pour vendre dans une boutique locale ou en vente directe, on a souvent au niveau de, euh, des localités rurales, là, l'interprétation de la loi est un petit peu plus large, lâche, on va dire. Donc ça, ça dépend vraiment du, du producteur et puis du circuit de distribution dans lequel ça va être distribué. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que euh, moins euh, les contrôles sont sévères, plus on se laisse aller sur les techniques, plus les goûts, les saveurs sont intéressantes. Donc moi, euh, ce qui m'intéresse, dans ma boutique à Tokyo, c'est justement d'aller chercher ces produits locaux qui euh, sortent un peu de l'ordinaire et de les mettre euh, à l'honneur. Je me suis dit que pour protéger, pour justement conserver cette culture de la fermentation, euh, il fallait avant tout, avant de s'intéresser aux producteurs, avoir un endroit où distribuer ou vendre leurs produits. Oui, c'est ça, ça. Et en, en France, là, donc, on, vous êtes obligés aussi de, de suivre des règles d'hygiène. Vous êtes obligés vous, vos locaux doivent avoir euh, donc certaines, euh, certaines conditions. Euh, pour, enfin, qui, doivent, qui doivent, vous devez être propre hein, <laughs> évidemment. Et mais et, je voudrais raconter une anecdote à ce propos, à ce propos de la, de la législation. Euh, C'est dans le Cantal justement, de, dans le, le fromage de, de le Cantal, le fromage de salers traditionnel se fait dans une grande cuve en bois de en bois de châtaignier ouais. qui s'appelle la Gerle. Et il y a eu une époque dans les années 80-90. Euh, les, le législateur voulait interdire ces cuves en, en bois, Il voulait mettre euh, il voulait obliger les fromagers à prendre des cuves en inox. Or, c'est pas du tout pareil, parce que dans, dans, ces, dans ces cuves en bois, il y avait les micro-organismes du lait qui, qui, qui avaient contaminé, si vous voulez, le bois et qui, qui pouvaient. Donc, en fait, le lait se réensemencait. Il suffit de remettre du lait dans cette cuve et, et le lait se réensemencait avec les bons micro-organismes. Et donc, les producteurs se sont aperçus que quand ils faisaient le fromage dans des cuves en inox. Ils étaient obligés d'acheter des ferments euh, lyophilisés. Euh produits en laboratoire, et donc de rajouter des ferments dans leur lait, alors que ce n'était absolument pas nécessaire avant. Et heureusement, ils se sont élevés euh, tous ensemble, et ils ont réussi à obtenir, que de conserver leur, euh, leur cuve en bois. Donc le, on, a, on, a, on a réussi à garder le, le côté traditionnel de ce fromage, qui sinon, bah, évidemment, ne serait pas du tout été la même chose euh, dans des cuves en inox. Voilà. Donc euh, la loi, on peut, si on si on s'y met tous ensemble, on peut arriver à, à, à faire changer. Euh, merci beaucoup. Euh, je voulais vous remercier tous les deux. J'ai une question en fait. Je souhaiterais avoir une réponse de, de tous les deux également. Euh, il, il me semble qu'au Japon, euh, les produits fermentés sont, le, enfin l'image de bon pour la santé euh, est déjà bien établie. Alors qu'en France, il me semble que ça n'est pas vraiment le cas. Peut-être aussi parce que les produits les plus fermentés, les plus emblématiques, comme le vin, le fromage, le saucisson, ne sont pas les exemples les plus évidents de bons pour la santé. Mais je voulais voir un petit peu comment est-ce que cette image de, de bon pour la santé, comment est-ce que vous la voyez évoluer en ce moment et bah, à travers le temps. Merci. Oh, bon question. <laughs> <laughs> Mais alors euh, oui, effectivement, en France, bon, le, nos, nos grands produits emblématiques, c'est le vin, c'est le fromage, euh, le pain aussi, la, ba la baguette de pain, c'est aussi emblématique de la France, le saucisson. Alors, autrefois, c'était considéré comme quelque chose de bon pour la santé. N'oublions pas que Pasteur disait que le vin était la plus hygiénique des boissons. Aujourd'hui, ça nous semble un truc complètement euh, ahurissant, mais euh, on, on, on le pensait, on le pensait réellement. Parce que il faut dire que autrefois, boire de l'eau, c'était extrêmement dangereux. Boire de l'eau, on pouvait mourir en buvant de l'eau. Rappelons-nous les épidémies de choléra, par exemple. Enfin, c'était l'eau était quelque chose de dangereux. Et euh, c'est encore le cas dans certains pays euh, aujourd'hui sur la, sur la planète. Donc y il avait, y avait déjà cette euh, cette perception de bon pour la santé même le fromage aussi c'était considéré autrefois comme bon pour la santé même le saucisson c'était considéré comme bon pour la santé parce que c'était nourrissant on n'avait pas la même conception de la santé qu'aujourd'hui disons euh, aujourd'hui il y a eu des normes des normes qui se, qui se sont créées euh, et qui nous qui nous donnent une conception un peu différente mais je pense que là on est ça, on revient en arrière euh, on Concernant euh, les, les, le pain au levain, par exemple, maintenant c'est admis que le pain au levain, euh, c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Euh, c'est admis aussi euh, pour le fromage. Il y a, euh, ben, le fromage, c'est assez controversé, mais il y a quand même un courant qui, de gens qui pensent que, que le, les produits laitiers et le fromage, c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Euh, je pense que ça, c'est en train de, voilà, de, 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 de changer maintenant. 日本の場合はあの 10, 10年ちょっと前はあんまり発酵食品のイメージよ,よくなかったですねあのちょっとおじいちゃんおばあちゃんの食べ物とかなんか菌危ないとかね良くなかったんですけど、えー、ここ数年で本当に大きく変わりましたでえっ、ー、と、えー、まあいろんな理由があるんですけど一番大きいのは微生物学の、えー、進歩ですねで えーまあ、その昔と比べて、えー、人間の体の中にいる菌とかあと、えー、その発酵食品の中に入ってる菌の働きが分かるようになってきたら、えー、伝統的に食べられていた日本の発酵食品が、えー、その生物学的に見てものすごくよくできているということが、えー、分かってきてです、ね、でそこからイメージが大きく変わりました。 Alors Au Japon aussi, jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années, euh, on avait une mauvaise image hein, des produits fermentés. C'était un petit peu un truc que les vieux mangeaient, donc ce pas non plus très, très euh, à la mode. Et puis, il y avait toujours cette image que euh, bactéries égale danger. Hein. Donc, euh, c'était assez ancré. Ça a changé. Et euh, l'une des euh, raisons est sans doute les progrès faits dans les recherches sur les micro-organismes. Euh, on comprend beaucoup mieux, notamment, les interactions entre euh, les micro-organismes qui... Euh, sont à l'œuvre dans la fermentation et les bactéries à l'intérieur du corps. Oui, et justement, oui. l'action bénéfique oui. des premiers sur euh, les deuxièmes. Euh, et on s'est rendu compte, on a réalisé que les aliments traditionnels japonais fermentés étaient en fait euh, très bons pour la santé parce que justement, l'action des euh, bactéries de la fermentation était bonne pour notre santé. Oui. Mais, euh, en France aussi, il y a tout un courant de recherche euh, de la médecine sur le microbiote. Justement, c'est quelque chose. C'est une, une révolution médicale en ce moment, qui a lieu en ce moment. Il y, a, il y a eu trois révolutions médicales. La première révolution, c'était la découverte des microbes. Ça, ça a été très, très important avec les, avec les vaccins. La deuxième révolution, c'était les antibiotiques. Et maintenant, on est à une troisième révolution qui est le, la découverte du microbiote donc la découverte que les bactéries peuvent être bonnes pour la santé et non pas parce qu'avant on considérait une bactérie égale une maladie et ça 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 maintenant je pense que c'est plus du tout le, ce qu'on pense que les gens pensent généralement et, et donc le, le fait que aussi que les aliments fermentés contiennent des bonnes bactéries puisqu'on admet que les bactéries soient bonnes euh, ça va dans ce courant là aussi mm. Mm. 40歳ぐらいより上の人とそれより若い人で全然意味が違ううっていうことですねで40歳以上の人はあのなんだ生活習慣病にかかりづらいとかあのお通じが良くなるとかそういう実理的なものなんですけど40歳以下の若い人たちにとっての健康ってあのもっとなんての病気とかよりはその日をあの 気持ちよく過ごせるかとかあとはその自分がストレスを感じないかとかあのそういうことなのでちょっと意味が違うで今日本ではその発酵の文化はここ3年ぐらいの間で40歳以下の人たちにものすごく流行ってきているんですねで僕のお店のお客さんの平均年齢だいたい30前後ぐらいですこれはちょっと今までありえなかったことなんです。 Alors, euh, justement, sur cette conception de ce qui est bon pour la santé, qu'est-ce que c'est La définition euh, est un petit peu différente selon que vous avez plus de 40 ans ou moins de 40 ans au Japon, par exemple. Euh, si vous avez plus de 40 ans, ce qui est bon pour la santé, c'est ce qui va bah, vous empêcher de tomber malade, être bon pour le transit intestinal, etc. etc. toutes ces choses assez concrètes euh, du quotidien au niveau du fonctionnement corporel. Euh, si vous avez moins de 40 ans, ça va être plutôt de l'ordre du bien-être, ce qui va vous euh, enlever le stress, etc. etc. Et euh, ce qu'on voit depuis environ 3 ans, c'est que euh,

友達とそのなんていうか結構マニアックに語り合えるしえ例えばじゃああそこのビール屋さん行こうとかって,言って一緒に旅に出たりとかこう人間関係を作るきっかけになるのでお味噌作ろうとか,だかそういう意味でえ発酵食品は健康というよりはそのウェルビーイングの,あのキーワードとして日本ではその若い人たちにすごく受け入れられてるという背景があります。 Et donc cet engouement des jeunes pour les aliments fermentés n'est pas simplement médical euh, au niveau de ce qu'on euh, considère comme bon pour la santé. C'est aussi culturel, c'est même surtout culturel, les aliments fermentés appellent un style de vie où on va avoir du lien entre les personnes, on va avoir des activités ensemble, on va discuter d'un produit un petit peu euh, typique que seuls certains connaissent, on va partir en voyage justement pour euh, trouver ces produits. Et donc ce, ce lien social et le bien-être qui est procuré font vraiment partie des éléments qui font que même la jeunesse commence vraiment à s'intéresser aux produits fermentés. Mmh. Bien. En, en France aussi, il y a l'aspect euh, aliment sain, parce que jusqu'à récemment, on avait toute confiance dans les produits industriels, dans l'alimentation la, dans industrielle. Euh, l'alimentation industrielle se vend comme quelque chose de sain, justement, parce que c'est stérilisé, donc vous risquez pas de tomber malade, c'est sain. Alors que récemment, bon, il y a eu l'histoire des pizzas buitonni, euh, euh, l'histoire des Kinder Surprise, l'histoire du lait en poudre euh, Lactalis. Euh, donc, on se rend compte que l'alimentation industrielle, elle n'est pas si saine que ça. Et euh, que, en fait, donc ça, ça, ça va abonder dans notre sens, parce que notre alimentation traditionnelle d'aliments fermentés, au contraire, elle est absolument saine. Parce qu'on ne risque personne ne sait, personne au monde ne s'est empoisonné en mangeant du miso ou en, en arrosant son, son plat avec de la sauce soja ou en mangeant de la choucroute ou, ou en mangeant un pain au levain voilà. euh, même en mangeant, en mangeant du saucisson vous ne pouvez pas vous empoisonner tandis qu'en mangeant un steak haché industriel méfiance voilà <laughs> ok c'est la question une question, Alors, euh, euh, bon, euh, je vais savoir donc, si donc, parmi cette jeune génération euh, donc, qui retourne dans la campagne et puis donc qui essaye de, de produire des, des enfin, de, 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 de faire des produits fermentés est-ce qu'il y a une connaissance euh, de méthodes qui euh, a été oublié. Donc, j'ai entendu que par exemple, dans, euh, dans le thé nature, il y a un mouvement aussi de, de faire renaître bon le euh, thé fermenté qu'on croyait ne pas exister au Japon, mais que, qui finalement existait. Donc, est-ce qu'il qu y a des choses comme ça, donc, justement, dans, euh, parmi les jeunes qui essaient de, de, de promouvoir cette culture de fermentation? Héto!

はい。で、えー、今ですね若い人たちがですね、えー、特に20代とか、えー、30代ぐらいの若い人たちが、えー、新しい日本酒蔵を作り始めていてで、その日本酒のレシピがですね、えー、すごいか変わっていますで、2つの方向性があって1個が江戸時代よりもっと前のすごく古いレシピを、えー、掘り出して でそれで今まで誰もやらなかったようなもうみんな忘れてたような変なレシピを作るっていうのが一つの方向性でもう一つがですねあのワインとかビールの醸造法と日本酒を混ぜちゃうっていう考え方で例えば今ホップを使った日本酒っていうのがこう出ていたりします。こっちはだからあの新しい文化をこうう、えー この2つがですね入り混じり合って地方ですごく面白いその発酵のムーブメントが起きています。Uh, Dans ces nouvelles brasseries, on a un petit peu deux tendances qui vont se dessiner. La première, c'est d'aller euh, déterrer de vieilles recettes oubliées d'avant l'époque des dos, donc l'époque médiévale, par exemple, et de les faire renaître. Donc on a des goûts assez atypiques hein, qu'on ne connaissait plus parce qu'elles étaient oubliées. Et d'un autre côté, au contraire, on va essayer de mixer ça avec des techniques d'autres euh, alcools, de brassage euh, de bière, par exemple, ou des techniques de vinification, d'utilisation de malt ou de choses comme ça. Donc on utilise des choses euh, extérieures pour faire de nouvelles の、えー、すごく古い日本酒の作り方で玄米で日本酒を作るっていうやり方があるんですけどそれでやるとですねすごく酸っぱいお漬物みたいな日本酒ができるんですけどその日本酒はですね、えー、すごくですねあのなんていうんだろうハードコアなフランスの,あのナチュラルワインによく似てます味が。<laughs> par exemple, une des tendances qu'on va avoir parmi ces recettes un petit peu atypiques, c'est d'utiliser du riz complet, du riz brun, donc pour faire du saké, il y a quelque chose de très acide, de très atypique, un petit peu comme le vin nature en France. Je ,あの, n'aime ,あの,あの, pas faire des, des conclusions discours de conclusion, donc euh, bah, je vais m'arrêter là, euh, tout simplement, en remerciant euh, tout le monde, Marie-Claire Frédéric notamment, euh, de cette euh, occasion, et j'espère vous revoir lors d'un de mes prochains euh, séjours en France. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci <laughs>